Bonjour à tous, c'est Alex et aujourd'hui on est sur Lego City Undercover. Je vous avais fait la présentation et quelques vidéos dessus à l'époque lorsqu'il était sorti sur la Wii U. Et cette fois-ci nous sommes sur la version Xbox One et j'ai presque reterminé le jeu entièrement. Sauf qu'il y a un truc que j'ai pas fait, c'est les missions secondaires. Et ce que je vous propose, là c'est la partie un peu blabla où je vais vous expliquer. Ce que je vous propose, ça sera un épisode test. On verra si ça vous plaît. Si ça vous plaît, et bah à ce moment-là on continuera. Vous le voyez sur la carte, il y a plusieurs quartiers de couleurs différentes. Et ce que je pensais faire, c'est en fonction de vous surtout, et bah faire un quartier par vidéo. Voilà. Et dans ces vidéos, on essaiera de débloquer des trucs ensemble. Parce que ouais, j'ai refait presque la quête principale entièrement. Il me manque juste en gros deux quêtes, je crois, que je n'ai pas encore terminées. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de garder tout ce qui est... Allez, vas-y mec, là, vas-y, chaise. Bah alors, il voulait pas le lâcher le truc. Je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que moi c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé le faire déjà à l'époque et j'avais envie de refaire des vidéos dessus depuis bien longtemps. Et là le fait qu'il soit sur Xbox One, je me suis fait ça y est, c'est le moment. Ne perdons plus de temps si on a envie de faire des trucs et ben on le fait. Et on se retrouve avec Chase McCain, donc il manque juste une tenue. Donc il y aura peut-être 2-3 choses qu'on pourra pas faire mais c'est pas grave, au fur et à mesure ça se trouve. Si je vois qu'on manque de certains trucs, et bah... Je débloquerai la dernière tenue, je terminerai le solo et on va commencer par ce quartier-ci, donc le premier vrai quartier du jeu. Je vais où là en fait? Ah, je vois qu'il y a un truc. Attends, en fait j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je vérifie que j'ai rien à casser ici pendant que je suis là, ou même des fois il faut accrocher des trucs ou tirer sur des trucs qui sont sur les murs. Les petites pièces, vas-y, je récupère les petites pièces et là il va falloir que je prenne ma tenue de policier, à savoir celle-là. Et à l'époque c'était avec le gamepad, on avait ces interactions là qui s'affichaient sur l'écran, donc ils ont dû revoir le truc pour certaines manips, mais ça se passe très bien dans l'ensemble, ça pose pas de soucis. Ouais, alors qu'est-ce qu'on va débloquer? Est-ce que je vais avoir des pièces? Ouais, voilà, c'est ça. Vas-y, on est reparti. Oh, je vais le faire en direct. En direct, je vais pas tomber. Ah, je suis tombé à la fin. Il y a ça par exemple, il va falloir que je le peigne, mais il faut que je trouve les bonnes couleurs, donc il faudra qu'on y pense. Sinon on pourra faire des petits tours de voiture. C'est quoi, il y a une sorte de caméra là-haut. Est-ce que je peux faire un truc avec cette caméra? Est-ce que je peux te casser avec ça là? Ouais. Non, il se passe rien, bah je vais faire du basket. Ouais, parce que souvent dans l'environnement on a des trucs à casser ici et là. Mais ça on le sait pas forcément. Moi je me suis fail. J'étais pas. Il y a eu un accident à côté. Putain, mais je suis trop nul au basket, c'est quoi ce délire? Et mon bonhomme, il est assis ou il est debout? Je vois pas trop, c'est... Mais non, mais vas-y. Bah, je crois qu'en fait, c'est un petit souci de... Pas un souci de moi quand je tire, ça c'est moi qui suis nul. Mais il y avait un souci de notre personnage. Faut que je prévoie un peu, ouais, voilà. C'est juste que notre bonhomme, il passe à travers la texture. Donc faut que j'appuie légèrement avant. Très bien, très bien. C'est soit moi qui ai un temps de réponse avec mon cerveau un peu lent. C'est bon, allez, vas-y. Ah, voilà, et là, c'est la surprise. J'ai que des petites piécettes. Très bien, ça me va, des petites piécettes. Ça, par exemple, ça me semble suspect, ce truc en haut, là. Non? Ça vous semble pas suspect? Eh ben non, c'était rien du tout. Il va falloir que j'analyse... Il y a de la musique, là. Qui c'est qu'il faut de la musique? Est-ce qu'on peut aller aussi sur certains toits? Bonjour, toi. Est-ce que je peux t'arroser? Attends, je vais voir si tu peux t'arroser. Reste là, reste là. Yeah. Nyang, il prend mon jet d'eau dans la tronche. Moi je vais tous vous arroser. Le commissariat, je sais qu'il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir prendre. Au niveau de la cafétéria, peut-être un peu ici aussi. Donc c'est pour ça, si ça vous plaît, vous me le mettez en commentaire, vous me le faites savoir. Et à ce moment-là, on ira découvrir les différents quartiers qui sont franchement tous différents les uns des autres. Et il y en a qui sont vraiment stylés. Donc c'est pour ça, ça pourrait être bien que ça vous plaise. Parce que moi j'ai envie d'essayer plein de trucs. Est-ce que je suis déjà allé là-haut? Je me rappelle pas être là, aller là-haut. Ah là, il faut que je change de tenue pour pouvoir m'accrocher. Et là, j'ai pas besoin de faire tomber le truc, c'est à moi de monter. Ah, la hache. La tenue de pompier, c'est la dernière que j'ai débloquée en date. Et là. Là, j'ai plein de trucs à faire, là. C'est trop cool, je vais pouvoir... Ouh, oui, les petites piécettes. Je vais pouvoir arroser le machin, là. Et en arrosant le machin, là, laisse-moi sortir. En arrosant ce truc, je vais pouvoir aller... je vais passer la tenue du fermier, ouais. Je vais pouvoir aller là-haut. Et vous voyez, il y a une sorte de coque. Le coq va me permettre de planer. Mais avant que j'aille là-haut, je regarde si j'ai pas d'autres trucs. On aurait pu aller en face. Mais on va pas aller en face. On va voir où c'est que ça va m'amener ça. Parce qu'avec lui, je peux planer. Et il y a un truc que je trouve vraiment pas mal fait, c'est que chaque personnage qu'on a, c'est toujours Chase, mais avec une tenue différente. Et bah, il a des animations différentes. Je vais vous montrer ça. Attendez, je vais aller là-bas. Ça, c'est des sortes de petits boosts qui nous redonnent légèrement de la hauteur pour pouvoir atteindre d'autres endroits
qui ne sont pas forcément accessibles. Et en une vidéo, de toute manière, on n'aura même pas le temps de... J'aurai même pas le temps de vous montrer tous les différents quartiers. Oh, au niveau des animations, regardez, si je fais le double saut et qu'il atterrit, il a cette animation-là, je change de tenue. Là, il rebondit. Lui, quand il fait le double saut, il atterrit direct sur ses pieds. Lui aussi. Là, il fait un plongeon en avant avec une roulade sur le côté. Et je trouve ça pas mal quand même d'avoir fait des animations différentes en fonction de toutes les tenues qui sont... Ils auraient pu faire juste une animation et après, c'est tout, basta. Par contre, je crois que j'ai vu que c'est la dynamite. Ouais, c'est la dynamite, mais j'ai... Ah, j'ai pas la dynamite, mais peut-être que là, on va aller en chercher en face. Parce que cette porte est bloquée et il va nous falloir un moyen de la débloquer. Il va falloir que j'utilise... Ah là, je peux utiliser ma tenue, c'est cosmonaute, je crois. Mais d'abord, je vais utiliser cette tenue-là pour bidouiller. Il faut que j'arrête de ramasser toutes les piécettes, c'est plus fort que moi. Eh ben, en fait, je vais en récupérer plein, c'est trop de la balle. Alors, ma tenue de cosmonaute qui va me téléporter logiquement là-dedans. Ouais, ensuite, je vais devoir arroser, ça va m'emmener là-haut. Et tout là-bas, je vais pouvoir défoncer la porte à coup de hache. Je crois que c'est le pompier. Ouais, ça doit être le pompier. Ça vous donne déjà une petite idée de ce que ça pourrait vous proposer. J'adore faire ces animations de roulade, mince, on voit que dalle. Il y a juste un truc qui est un peu perturbant au début, c'est la vitesse de caméra. Voilà, là je suis à fond. Pour tourner à gauche, enfin à droite c'est pareil. Et en véhicule, il y a une caméra aussi. Enfin, je vous en parlerai lorsqu'on sera en véhicule. Juste après, je vais aller voir là-haut avant d'aller casser la porte. Ah, va falloir que je fasse ça. Là, ça va être un truc très dur, c'est de la mémorisation, vous allez voir. Droite, gauche, bas, haut. J'ai déjà oublié. Non, dans l'ensemble, ça va quand même, c'est super simple. Et là, je me foire. Et qu'est-ce qui va nous faire téléporter du ciel? Dynamite ou pas dynamite? Ou piécette ou pas piécette? Non, pas l'extraterrestre. Ah non, c'est bon. Ça fait tomber un extraterrestre et il faut le poursuivre ensuite dans la carte. Donc ça semble pas être ça. Parce que j'aurais pas voulu descendre le... Oh, ça va nous emmener... C'est pour nous emmener là-bas. Il y a trop de trucs à faire. Ouais, l'extraterrestre, ça veut dire que j'aurais dû redescendre pour le pourchasser. Mais j'avais pas forcément envie de descendre parce que là, il y a déjà tellement de trucs à faire. Par contre, on a toujours pas trouvé la dynamite pour un... Ouais, c'est pas la dynamite. On a toujours pas trouvé la dynamite pour information. Oh, les cochons. Il y a un cochon. Comment je fais pour aller le chercher? Les cochons, faut que je les ramène à la ferme. Il faut que... Oh! J'ai récupéré une tenue de personnage. Je les ai même pas encore utilisées toutes les tenues. J'en ai débloqué quelques-unes. Clown voleur. Ah ouais, parce qu'au début du jeu, il y a une mission principale, c'est avec les clowns qui sont des voleurs ici. Là, ouais, je peux pas y accéder. Donc peut-être qu'en planant directement, on peut essayer rapidement, mais je pense que ça sera pas comme ça. Il va peut-être falloir aller de l'autre côté. On va tester, on sait jamais. Ouais, les cochons, c'était une quête principale aussi, où il fallait... Ouais, laisse tomber. Il faut les ramener à la ferme. Si on... Mais non ! Je voulais sauter, en fait, ça m'a fait passer en dessous, c'est la même touche. Bah, une vidéo par quartier, mais les quartiers, ils sont quand même assez grands, parce que là, on est encore que dans le même petit secteur du même quartier. Oups ! Ah, j'avais oublié ce truc-là. C'est vrai que je l'ai pas eu souvent encore, ça. Pourtant, j'ai presque fini le jeu, mais on a eu que... Ouais, une ou deux séquences sur un building qui était juste là-bas. Très bien, là, je peux passer en dessous, au-dessus. Je vais... Non, c'est juste ce côté-là. Je vais récupérer ce qu'il y a là-dedans et on va devenir riche. On va devenir riche. Oh, j'ai jamais eu autant de pièces Lego. Ouais, ça je peux les casser. Est-ce que ça me fait un truc pour grimper? Que dalle. Et là, pourquoi vous voulez que je passe en dessous? Ouais, c'était juste pour me faire revenir là. Ouais, ça je sais pas comment je fais pour y accéder là. C'est marrant les petites piécettes qui nous indiquaient comme si on pouvait y accéder en courant. Là, j'ai toujours une échelle. Et qu'est-ce que... Je peux rien faire ici. Mais peut-être qu'en montant là, je pourrais planer jusqu'au cochon. Mais dans tous les cas, on aura... Ouais, ça va être ça. Dans tous les cas... Ah, il y a un truc en bas aussi. Dans tous les cas, je vais finir ce que je suis en train de dire. J'ai pas ma dynamite encore. Et je sais pas où la trouver. J'arrive, petit cochon. Attends-moi. Mais normalement, on n'utilise pas une sorte de canon pour les envoyer dans les airs. Il y a un truc comme ça. Il y avait un délire de canon. Mais là, j'ai pas de canon. Je sais pas comment je vais te renvoyer parce que t'es assez loin. On va voir ça. Ah, je voyais un symbole de cochon un peu plus loin. Hi-ha ! Holy-ho ! Oui ! Ah bah il est là-bas le canon. Est-ce que je peux passer on va passer par la voie, j'espère qu'il n'y a pas de train. Non, c'est bon. Et comme ça, on sera à un autre endroit. Voilà, on va pouvoir faire d'autres trucs ici. On aura juste manqué le truc avec la dynamite. Allez, go là-dedans le cochon. Très bien. T'es prêt Ah, faut que j'arrose pour tirer. Ah non, c'est pas arroser, c'est utiliser ma poule.
ma poule. Et normalement, il devrait arriver. Voilà, il est arrivé à destination. Cochon, oh ouais, 1 sur 22. Ah ouais, j'ai de la marge. Ah ouais, là, ça m'a donné vraiment une pièce dorée. Oh, est-ce qu'on prendrait pas la dynamite pour aller jusqu'à là-haut, histoire qu'on termine notre truc quand même? Il va falloir juste que je retourne tout là-haut. Il y a juste un truc où je suis pas certain. C'est quand je change de tenue, est-ce que j'ai perdu la dynamite ou pas? Attention, on va savoir ça. Ah ouais, je l'ai toujours entre mes mains. Nickel. Vite, ça va péter. Ça va, ça va. Ça va péter. Et voilà, merci. C'est bon, je peux me barrer de là maintenant? On se rebarre, on va retourner vers la gare. Je sais qu'après, il y a le pont, il y a plein de trucs, mais j'ai vu un truc en dessous de la gare qui avait l'air intéressant. Une sorte de petite caisse. Est-ce que je peux monter? Aïe, je voulais monter dedans. Je vais juste prendre la voiture pour rouler 2 mètres. Ouais, le toit de la gare doit y avoir des choses à faire. Et la caméra, ouais, c'est ça que je voulais juste vous dire en voiture. C'est que là, je peux tourner à gauche et à droite, mais quand j'avance pas très vite, si j'accélère et j'avance davantage, je ne peux plus faire des rotations autour. Et je trouve que la caméra, elle est un peu haute. Donc moi, j'ai tendance à... Avec mon pouce, je mets juste la caméra un peu plus bas, histoire que ça soit une caméra qui me corresponde davantage. Mais voilà, vous savez tout. Bonjour, madame. Alors, qu'est-ce que c'est que cette caisse? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, oh. Une machine à bonbons. Oh, donnez-moi un bonbon. Enfin, un chewing-gum. Et là, vous avez vu, il faut qu'on en fasse 5. Trop bien! Ça, c'est les bubblegum, c'est les chewing-gum. Vous les mangez, ils sont super bons, mais... Yeah! Ils ont du goût, mais genre une minute. Après, il n'y a plus de goût. Ça, c'est vraiment un truc. Ça m'a traumatisé, petit. À chaque fois, je fais « J'avais le chewing-gum !» Et quand des fois, ma mère, elle m'en achetait, j'étais trop content. Je mettais dans ma bouche « Oh, c'est trop bien !» et tout. En plus, ils étaient trop gros. Et 2 secondes après, le truc, il devenait tout dur. C'était du béton. Et il avait plus de goût. Voilà. C'est mon traumatisme d'enfance. Et je pense que je suis pas le seul à avoir été traumatisé de ces chewing-gum. Système de téléportation, il y a quoi de ce côté-là? Il doit y avoir des trucs, mais on s'en fout. Dans la gare aussi, il doit y avoir des trucs, mais on s'en fout. Ça va être la... Où c'est que ça va m'amener? Surprise! Oh! Carrément au-dessus de l'arche? Ouais, très bien. Et on a débloqué. Qui est-ce qu'on a débloqué? Chauffeur de taxi! De quel côté on va aller du quartier? Parce que là, en fait, on a... je vous montre, on a juste fait ça. On a juste fait ce coin. Alors qu'on a encore toute cette partie-là. On va aller là-bas. Je sais ce que je veux vous montrer. On va juste essayer de récupérer un véhicule. Bon, bien sûr, il y a encore plein de choses que j'ai manquées. Mais c'est pas grave, ça donnera un petit aperçu. Il y aura d'autres véhicules qui seront un peu plus drôles, mais ça sera dans d'autres zones. Je vous en dis pas plus, ça laissera la surprise. Et on va aller ici. Là, je pense qu'ici, c'est un lieu connu. Il doit forcément y avoir des trucs dans les appartements ou des fleurs ou des trucs. Tiens, toi, t'es suspect, toi, non? Non, il était pas suspect, il avait rien demandé. Une fleur jaune! Non, elle était innocente. Une belle journée! Quoi? Y'a que dalle? Ah, si, cette porte. Y'a un truc derrière. Faut que je la colore, vous pensez peut-être? Je ne sais pas. Mais j'ai pas. Non, j'ai coloré le truc. J'ai visé le truc qui était derrière. Y'a forcément un truc à faire là. Y'a un truc à faire. Y'a un truc à faire. Je vois où? Je sais pas où je suis. Ah, je suis là. Comment je fais pour faire le truc qu'il y a à faire? Ah, voilà. Laisse-moi grimper. On a eu quelques problèmes de caméra. Oh, il doit y avoir l'autre machine à bonbons peut-être au-dessus. Je suis pas sûr. Quoique ça me paraîtrait un peu... Je peux pas y aller directement. Ça me paraîtrait un peu étrange qu'il y ait une boutique... Une machine de chewing-gum au-dessus. Bon bah, de toute façon on peut y accéder, mais là je pense que ça sera juste une porte pour récupérer. Ouh, non j'ai rien dit. Je suis une mauvaise foi. Ouais, une fleur, dégage, une fleur. Je peux grimper par là. Il y a une niche de chien, j'espère qu'il n'y a pas un chien qui va me bouffer le derrière. Je voudrais accéder au toit, s'il vous plaît. Ah, j'avais même pas vu. Des fois, je vais passer sûrement à côté de trucs comme ça. Et ça va être la surprise. Alors, c'est quoi, à votre avis? Qu'est-ce que c'est? Un truc de... Non, je l'aurais remis le satellite. Et ben voilà, c'est pas un truc de chewing-gum. Est-ce qu'il y a... Ah, j'ai pas vu. Il y avait d'autres trucs. Hein. Moi, je me suis gouré. C'est pas toi, désolé. J'ai même pas vu s'il y avait d'autres trucs à prendre en dessous. Là, on va faire des toits en toit, en fait. Ça va être bien. Il y a juste la porte où on a tiré dessus. Le truc de couleur. Et bah, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais là, je vois qu'il y a un autre passage. On va pouvoir prendre encore un peu de hauteur. Et on va encore planer. Vas-y, arrose-moi tout ça. Oui. Plein de fleurs. On redécore la ville de plein de fleurs. Qu'est-ce que je vais faire? Tu m'emmènes nous sur le... Ah, le chat! Le poisson. Je crois que c'est avec le pompier que j'ai peut-être le poisson.
je sais plus. Je vais aller te libérer, espèce de chat. Comment t'as fait pour aller là-haut? Même lui, il sait pas. T'inquiète pas, j'arrive. Je vais te donner ton poiscaille. Alors, c'est le pompier ou pas le poiscaille? Oui, j'ai toujours plein de poissons dans ma poche. Viens, Minou. Allez, viens, petit. Oui. T'es en sécurité maintenant. Tu vas aller dans mon chapeau. Et je vais te garder pour mes tours de magie. T'as la chat sauvée. Ah, j'en ai qu'un. Je croyais que j'en avais sauvé un, peut-être pendant une mission. On a sauvé un minou pour l'enfermer ensuite. Ouh, là, j'ai failli faire le saut. Pour l'enfermer, il n'y a rien. Ensuite, dans notre chapeau, pour l'éternité. Dans notre casque, plutôt. Ça, c'est peut-être le seul que j'ai pas. Ouais, vous n'avez pas déverrouillé cette capacité. Ah, c'est celle-là que j'ai pas encore déverrouillée. C'est la dernière, comme je vous l'avais dit. Il n'y a pas un petit truc, regardez. Il y a un bout de toit, là. Ouais, mais je peux pas faire de rotation de caméra pour voir. Si je peux les garder sur moi, je vais en prendre un au cas où pour plus tard. Et regardez-moi ces architectures. C'est cool, je me passe ça. Ah bah voilà, je peux construire un truc. Qu'est-ce que je vais construire? Une niche de chien. Ouais. Il est où le toutou? Il est où le toutou? Je vois un point d'interrogation qui est sur la carte qui est... Ah. C'est... Il est à l'intérieur, à l'extérieur? Non, je peux pas aller à l'intérieur. Le point d'interrogation a l'air d'être... Il est où? Ah, il est juste là. Est-ce que je peux le faire? Ouais. Mais c'est marrant que les points d'interrogation ils soient indiqués alors que certaines choses ne le sont pas. Qu'est-ce que je vais débloquer? Il est en train de me faire traverser toute la carte. Ben, j'ai perdu le truc. Non, c'est bon. C'est là? Ça se trouve, c'est le chien qui est enterré pour la niche. Oh! J'ai une clé! J'ai une clé pour la porte. C'est logique. Une clé pour ouvrir une porte. Qu'est-ce que je vais avoir? Ah, une pièce. Je m'attendais genre à un camion de marchand de glace ou un truc dans le genre, mais non, j'ai pas eu de camion de marchand de glace. Faire pousser des plantes comme on le fait depuis tout à l'heure. Celle-là, est-ce qu'elle va nous emmener jusqu'au toit? Ou alors ça sera juste quelques-unes qu'il faut remplir sur cette partie de la carte. Bac à fleurs arrosé. Ouais, voilà. 2 sur 20. Disons que je vais pas faire que d'arroser les plantes. Ah, ça c'est une super construction. J'ai probablement assez de briques pour utiliser cette super construction. Une maison de la colline. Et regardez. Et en même temps, on aura construit des maisons. Si c'est pas stylé, ça. Avec une petite musique. Très bien, redonnez-moi toutes les pièces. Ouais, ouais, pousse-toi. Ne m'écrase pas, je récupère. Non, bleu. Mes pièces, laissez-moi, c'est mes pièces. Non, 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 m'écrasez pas, je récupère les pièces. Et je suis un policier, donc je peux arrêter les véhicules comme je veux, quand je veux plutôt. Faut juste que je retrouve la touche. Voilà, j'arrête une voiture de police. Alors je suis un policier, elle est en intervention en plus. Et on a débloqué une nouvelle tenue. Le Leftar. Hey. Ah, non, ça je peux pas le faire, j'ai pas électricité. Mais ça, normalement, je peux grimper. Oh fuck, c'est le seul truc. Je vais mourir électrocuté. Non, c'est le seul truc où je peux pas l'utiliser. Donnez-moi cette voiture, c'est une urgence. Désolé. Merci. Est-ce que j'ai un boost? Non, j'ai pas de boost là-dessus. Oh, je suis à fond. Ouais, hein? Mon chapeau? Mon bonnet plutôt? Depuis quand il enlève son bonnet dans la. Elle est trop petite la voiture. Nya, nya, nya. Poussez-vous! Laissez-moi passer. C'est moi, je suis de passage. Ouh, j'ai vu une petite corde. Là, il y a encore. Ouh, une pièce gratuite. Il y a une corde qui va là. Ouais, je vais juste récupérer celle-là et je vais récupérer l'autre. Oh, il y a un terrain de basket aussi. Je vais aller voir le terrain de basket. En fait, ça y est, je suis parti maintenant. Je peux me défouler, tout ramasser. Non, Oh, l'effet de profondeur. J'avais l'impression que je pouvais y aller. Ah, maintenant que ça y est, je peux me lâcher, je peux tout récupérer. Bonjour. Il a envie de faire la même chose. Il n'y avait pas un scooter? Oh, une moto. Tant pis. Une autre moto. On va la garder pour après. Bonjour. J'aimerais bien votre moto. Merci. Hop, je la laisse là. Et comme ça, on aura notre moto juste après que j'ai récupéré ce truc là-haut. Ouais. Amène-moi là-haut. Ouais, l'architecture, je trouve ça cool. Je trouve ça joli. Je trouve ça coloré. Et il y a plusieurs... C'est pour ça que je me suis arrêté dans la quête principale. C'est qu'en fonction des missions que vous faites, de la quête principale, ça change le soleil d'emplacement. Ça peut être le matin, le coucher de soleil. Là, le soleil, il est en haut, donc je trouvais que c'était un peu mieux si on voulait faire des vidéos ensemble. C'est pour ça que j'ai pas continué les quêtes principales. Qu'est-ce qui lui est arrivé, lui? Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Non, ça a l'air d'aller. Il est juste tombé. Il y a un truc aussi, je vous ai... Aïe, ma moto. Il y a un truc que je vous ai pas montré. C'est que j'ai le boost, mais je peux également... Ah oui, mais je saute pas très haut. Je me suis dit, je... Ouais! Oh, freestyle! C'est exactement ce que je voulais faire. Hein. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, on peut faire des petits sauts et on peut faire le boost. Et ça, c'est de la balle. Et on peut mettre la sirène. Et le pont, ça fait partie de quelle zone? Est-ce que je peux faire le pont? Le pont ne fait partie d'aucune zone. Mais il y a un truc qui me tentait, c'était d'essayer d'y grimper. Il y a le train qu'on peut utiliser. Il y a plein de trucs. C'est pour ça. J'espère que
fuck. J'espère que ça vous plaira. Comme ça, moi, j'ai envie vraiment de découvrir les autres quartiers en détail à vos côtés. Est-ce que je peux passer par là? Oh non. Ouais. Oh oh. Je crois que je suis dans la mouise. Je crois qu'il y a une touche pour remonter, mais je sais plus c'est laquelle. Non. Faites-moi remonter. Je me rappelle plus la touche pour me TP. Si on avait une déjà. Stop les, le bateau. Viens. C'est dégueu là. Il a accéléré d'un coup. Je me suis fait bouffer. Et il y avait marqué maintenez B enfoncé pour revenir sur la côte. Maintenant je le saurai. Ah, je vois comment je vais. Monter. C'est pour la police. Excusez-moi, j'ai besoin de votre moto. Merci. Il y a les trucs où je pouvais grimper juste à côté. Mais. Très bien. J'ai une petite idée pour aller de l'autre côté, regardez. Ouais. Ouais. Parce que je sais pas si je pouvais sauter par-dessus le truc. Ouais. Je vais essayer d'aller tout en haut de ce fichu pont. Ou alors je vais revenir. Ça m'a servi à quoi d'aller là? Non, non, non. Attendez, j'ai pas manqué un truc genre où je peux m'accrocher? Non, 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 non. Il y avait rien où je pouvais m'accrocher, sérieux? Ok. Oh la déception. Putain, j'espérais trop pouvoir rouler avec ma moto sur le rebord là et monter. Mais apparemment je ne peux pas. C'est quoi cette déception? Mais il doit y avoir forcément un côté où je peux grimper. C'est juste que je l'ai pas trouvé. J'en ai retrouvé un mais c'est la même chose que... Ouh, il y a une échelle là par contre. On l'a vu l'échelle. On va aller récupérer ça en... Oh! En haut, vous avez vu? Bon, tu me téléportes où toi? Très bien, merci. Et je vais aller voir ce qu'il y avait au niveau de l'échelle. Voilà, j'ai dit que je voulais aller voir l'échelle. C'est bon, il n'y a toujours pas le train. Ah, je peux descendre là. Ouais, un tremplin pour remonter, c'est toujours utile. On est d'accord. Et ça, vous n'avez pas encore déverrouillé. Oh, cette capacité. Ah mince, ça se trouve, c'était le seul moyen que j'avais pour aller tout en haut. Et je ne peux pas l'utiliser. Tant pis, faudra que je cherche plus en détail. Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais faire mes petits sauts, je vais les impressionner. Regardez-moi mes petits sauts, ils sont trop mignons. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi, je vais juste faire ce petit jeu. Et il va me TP quoi? Pas un extraterrestre. L'extraterrestre? Non, et s'il pique ma moto par contre? Non, c'est bon. Eh, revenez. Ah. Voilà, tada. C'était rapide, hein. Ça, c'était un extraterrestre. Et c'est mon deuxième extraterrestre. À nous, le prochain quartier maintenant. Oui, poussez-vous. Laissez-moi passer, c'est une urgence. Faut que j'aille chercher mon chewing-gum. Mon chewing-gum.